Dans une forêt, vivait un frêle petit rat. Il avait tellement peur du renard, du loup et de son ombre même, que dès que le vent faisait craquer une petite branche, il filait se cacher dans le premier trou qu'il trouvait. C'est pourquoi tous les autres animaux de la forêt se moquaient de lui. Mais quel froussard! Même le vent te fait peur! Tu es tellement peureux! Un jour, le rat rassembla tout son courage et alla trouver le roi de la jungle, le lion. Le lion venait de finir son déjeuner et faisait une petite sieste devant sa grotte. Les animaux de la forêt étaient tous curieux de comprendre ce que leur ami le rat avait en tête. Le rat grimpa le long de la queue du lion et se hissa jusque sur son dos. Puis il fit signe à ses amis avec un regard assuré. Il avait beau trembler de peur, il faisait tous ses efforts pour ne pas le montrer. À cet instant, le lion se réveilla. Il se mit à s'ébrouer et fit tomber le rat. Le lion et le rat étaient face à face. Tous les autres animaux étaient très inquiets. Oh non, non! Le lion va croquer le petit rat! Quel cran! Quel courage tu as! Mais qu'est-ce que tu faisais sur mon dos? Ô grand seigneur de la jungle, je vous en prie, ne me dévorez pas! Je suis la créature la plus craintive et la plus vulnérable de toutes les créatures de la forêt. Je passe ma vie entière à avoir peur de tout et de n'importe quoi. Même une feuille qui tombe d'un arbre m'effraie. C'est insupportable. Je ne veux plus avoir peur. Mais vous êtes le roi. Un seul de vos rugissements suffit à faire trembler tous les autres animaux de peur. Accepteriez-vous, pour me rassurer, de me garder sous votre protection? Le lion avait écouté le rat sans rien dire. Le rat attendait sa réponse avec inquiétude. Et pourquoi t'aiderais-je? Hein? Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te manger sur le champ. Un jour, je vous retournerai la faveur, je vous le promets. Qui sait? Peut-être un jour aurez-vous besoin de mon aide. Dès que le petit rat eut fini de parler, le lion poussa un terrible rugissement. Comment un minuscule petit rat comme toi pourrait m'être de la moindre utilité? Mais en voyant le pauvre petit rat trembler devant lui, le lion décida de ne pas le manger. Tu as de la chance, je n'ai plus faim. Et maintenant, file, hors de ma vue. Le rat obéit et fila se cacher loin du lion. Tous ses amis qui avaient assisté à la scène étaient tout étonnés. Quelque temps plus tard, le lion, qui avait faim, décida d'aller faire un tour dans la forêt. Mais il fut soudain attrapé dans un grand filet que les chasseurs avaient placé là. Suspendu dans les airs, il essaya de se débattre pour s'échapper du filet, mais il était pris au piège. Le grand roi de la forêt se sentait humilié et ne pouvait se résoudre à appeler à l'aide. De plus, si les chasseurs l'avaient entendu, il n'aurait fait qu'accourir plus vite. Ne trouvant aucune solution, il décida d'attendre. Un à un, tous les animaux de la forêt remarquèrent la présence du lion dans le filet. Mais aucun d'eux n'osa s'approcher du terrible lion. Le rat qui passait par là aperçut le lion à son tour et décida aussitôt de lui venir en aide. Il s'élança, sauta sur la queue du lion, grimpa jusqu'au filet et commença à ronger la corde. Au même moment, le lapin s'approcha pour le prévenir. Hé, mon ami, vite, les chasseurs arrivent! En entendant le mot « chasseur »,
tous les animaux qui s'étaient rassemblés s'enfuirent dans les bois en courant. Mais le rat continua de ronger la corde avec persévérance. Au bout d'un moment, le filet finit par céder et le lion fut enfin libéré. Allez, viens vite, monte sur mon dos et filons. Le rat sauta sur le dos du lion et ils s'enfuirent ensemble. Essoufflé, le lion arriva enfin devant son repaire. Il se baissa pour laisser le rat descendre. Quand tu m'as dit qu'un jour je pourrais peut-être avoir besoin de ton aide, je ne t'ai pas cru. Je t'avais sous-estimé. Je m'étais dit que tu n'étais qu'un petit rat sans aucune utilité pour personne. Mais j'ai eu tort. Tu m'as sauvé la vie. Je te remercie. Oh, tout l'honneur est pour moi, mon roi. Sache que tu n'as plus à avoir peur de moi. En fait, tu n'as plus à avoir peur de rien du tout, car tu es un petit rat extrêmement courageux. Si je suis le roi de la jungle à partir de maintenant, je déclare que toi, petit rat, tu es mon courageux prince. Le lion et le rat se mirent à rire. Tous les animaux qui les avaient écoutés de loin accoururent pour applaudir le courage du brave petit rat. Le lion et le rat devinrent les meilleurs amis du monde et vécurent paisiblement dans la forêt. Dans une forêt, vivait un lièvre qui passait ses journées à se promener, à faire des bonds et à s'admirer. Il adorait se vanter auprès des autres animaux d'être le plus rapide de tous. Je suis l'animal le plus rapide de toute la forêt. Quelqu'un veut faire la course contre moi ? C'est vrai qu'il courait très vite avec ses longues pattes. Les autres animaux détestaient sa façon de se vanter, mais ils devaient reconnaître qu'aucun d'entre eux ne gagnait jamais contre le lièvre. Oui, j'ai encore gagné la course. Normal, je suis le plus rapide de tous les animaux. Partout où il allait, le lièvre racontait qu'il était si rapide que personne ne pouvait jamais le dépasser. Ses paroles commençaient à agacer les animaux de la forêt. C'est vrai qu'il est le plus rapide de tous, mais ce n'est quand même pas une raison pour se vanter. Il faudrait que quelqu'un lui donne une bonne leçon. Tout ce que les animaux disaient sur le lièvre finit par arriver aux oreilles de la tortue. La tortue marchait très lentement. Elle mettait une journée entière à parcourir la distance que le lièvre courait en une minute. La tortue aurait bien aimé rencontrer le lièvre un de ces jours. Elle alla voir les autres animaux et leur dit qu'elle avait envie de faire la course contre le lièvre. Tu veux faire la course contre lui ? Même les animaux les plus rapides n'ont jamais réussi à battre le lièvre. Alors comment pourrais-tu gagner ? Ne vous en faites pas pour ça, mes amis, j'en fais mon affaire. La tortue alla trouver le lièvre. Bonjour, monsieur le lièvre, je suis bien aise de vous voir. Justement, je vous cherchais. Le lièvre lui demanda avec curiosité. Ah oui ? Et pourquoi donc me cherchiez-vous ? Parce que j'ai entendu dire que vous étiez l'animal le plus rapide de la forêt. Ou du moins, c'est ce que vous pensez à ce qu'on raconte. Mais pour en être bien sûr, j'aimerais avoir la chance de faire la course contre vous. Alors nous verrons qui est le plus rapide. Aussitôt que la tortue finit sa phrase, le lièvre se mit à rire tellement fort que tous les animaux de la forêt pouvaient l'entendre. Vous, contre moi, une course. Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Jamais vous ne pourrez me rattraper. Le temps que vous fassiez un pas, j'aurai fini la course. Eh bien, si nous ne faisons pas cette course, nous ne le saurons jamais. Très bien, tenez-vous prête. Nous ferons la course demain matin. Et la tortue s'éloigna, tandis que le lièvre continuait de rire. Le lendemain matin, quand les animaux arrivèrent pour assister à la course, ils virent que la tortue était déjà là, en position de départ. La tortue était souriante et semblait sûre d'elle. S'il te plaît, dis-moi comment tu comptes battre le lièvre.
Eh bien, s'il est aussi fier de lui que vous le dites, s'il se vante autant que vous le racontez tous, alors vous pouvez me faire confiance, cette course ne devrait pas être bien difficile à gagner. Peu après, le lièvre arriva en tenant une carotte et en arborant un grand sourire arrogant, comme à son habitude. Faisons cette course et finissons-en vite. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Le lièvre et la tortue se placèrent tous les deux sur la ligne de départ. Le premier arrivé à la ligne rouge au bout de la forêt aura gagné. La taupe donna le départ de la course. Au signal, le lièvre partit comme une flèche. La tortue, elle, se mit lentement en route. Le lièvre allait si vite qu'on ne le vit bientôt plus. Les animaux qui assistaient à la course étaient certains que la tortue allait perdre. Après avoir couru un moment, le lièvre s'arrêta et regarda derrière lui. Il n'y avait personne en vue. À ce rythme-là, la tortue ne finira pas la course avant ce soir. Je vais m'asseoir un peu pour finir cette carotte. Le lièvre termina tranquillement sa carotte, tout en regardant la route. Au loin, il pouvait voir la tortue qui avançait. Avec un sourire narquois, il se leva et se remit à courir. Le lièvre était pratiquement arrivé au point d'arrivée. J'ai un peu sommeil après ce délicieux petit déjeuner. Je vais m'asseoir sous cet arbre pour faire une petite sieste. Le lièvre était tellement certain de gagner la course qu'il prit le temps de s'assoupir. Pendant ce temps, la tortue continuait d'avancer tout doucement, mais sans perdre confiance. Après une longue marche, elle finit par arriver au même endroit que le lièvre et constata qu'il était profondément endormi. Sans s'arrêter, elle poursuivit sa route. Quelques instants plus tard, le lièvre se réveilla. Il regarda autour de lui mais ne vit pas la tortue. « Tiens, je ne vois plus la tortue nulle part. Elle a sûrement déjà abandonné. Allez, je vais finir ma course, moi. » Tandis que le lièvre se rendait tranquillement au point d'arrivée, il fut stupéfait de ce qu'il vit. La tortue l'avait dépassée. En fait, elle avait presque fini la course. Déployant toute l'énergie qui lui restait, il essaya de rattraper la tortue. Mais celle-ci avait déjà fini la course. Les animaux qui attendaient sur la ligne d'arrivée étaient tout contents. Ils portèrent la tortue en triomphe et lui firent une véritable ovation. Le lièvre, lui, restait seul dans son coin, tout triste. La tortue, qui venait de gagner la course, s'approcha de lui. « Cher monsieur le lièvre, vous savez, le plus important dans la vie est d'être constant dans tout ce que l'on fait. Se vanter partout et s'admirer soi-même n'est pas une force, mais une faiblesse. » Je n'ai pas gagné la course parce que j'étais la plus rapide, mais parce que j'ai été plus sage et plus consciencieuse que vous dans cette course. C'est vrai. C'est fini. Je ne me vanterai plus devant tout le monde d'être le plus rapide de tous. Je dois partir à présent. J'ai un long voyage à faire pour rentrer. La tortue lui fit un sourire et poursuivit sa route. Le lièvre comprit son erreur et retint la leçon. À partir de ce jour, on ne l'entendit plus jamais se vanter et il ne chercha plus jamais à faire la course contre personne. Il était une fois une forêt peuplée d'animaux où aucun homme n'avait jamais pénétré. Malgré leurs différences, tous les animaux de la forêt vivaient en parfaite harmonie. Chacun d'entre eux avait ses propres caractéristiques. Les singes étaient malicieux, l'écureuil était peureux, le lion courageux,
La biche était rapide, la tortue était lente, le renard était rusé et les abeilles très travailleuses. Le seul animal avec lequel les autres ne s'entendaient pas était le corbeau arrogant. Le corbeau n'aimait pas partager sa nourriture. Parfois, il volait même celle des autres animaux et s'enfuyait avec. Tous les animaux commençaient à se dire que ce corbeau égoïste méritait une bonne leçon. Comme il était le plus malin et le plus rusé, le renard prit la parole. « Laissez-moi faire. Je vais jouer un bon tour à ce corbeau égoïste. Ça va lui apprendre à être aussi arrogant. » Un jour, le corbeau alla en ville pour chercher de la nourriture et revint dans la forêt avec un gros morceau de fromage dans le bec. Il alla se poser sur une branche. Le renard, qui le surveillait de loin, décida de passer à l'action pour s'emparer de ce fromage. Il s'approcha de l'arbre sur lequel l'oiseau s'était posé. Le corbeau était en train de picorer le fromage qu'il avait posé sur la branche. Hé, hey, bonjour l'ami. Qu'est-ce que tu manges? Je n'ai jamais rien vu de tel. Hein? Ça s'appelle du fromage. Les humains en mangent. Je me demande quel goût ça a. Tu m'en donnes? Hein? Pas question. Tu sais quelle distance j'ai dû parcourir pour le trouver? Eh bien, un jour, je partagerai ma nourriture avec toi et nous serons quittes. Mais qu'est-ce que j'ai à faire de ta pauvre pitance? Ce fromage est un mets très spécial. On n'en trouve pas partout. Quoi qu'ils disent, le renard ne parvenait pas à convaincre le corbeau de partager sa nourriture. Le renard était malin, mais le corbeau n'était pas en reste. Le renard décida donc de passer à une autre méthode. Très bien, très bien. Garde ton fromage, je n'en veux pas. Mais laisse-moi au moins m'approcher et jeter un œil à ce fromage si spécial que tu ne veux pas partager. Mais quand le renard commença à grimper sur l'arbre, le corbeau effrayé reprit son fromage et s'envola avec sur une autre branche. Le renard alla se placer sous l'arbre où venait de se poser le corbeau. Mais celui-ci n'avait toujours aucune intention de partager. Le renard réfléchit un instant et décida de changer encore de plan. Quel est le point faible de ce corbeau? Il est égoïste, prétentieux et arrogant. Je peux peut-être tirer avantage de ses défauts pour m'emparer de son fromage. Mon ami, sais-tu pourquoi j'étais venu te voir? Pour ne pas faire tomber son morceau de fromage, le corbeau répondit sans ouvrir le bec. Pourquoi? J'ai entendu dire que tu avais la plus belle voix de la forêt. Il paraît que quand tu chantes, tous les animaux s'arrêtent pour t'écouter. À ces mots, l'oiseau gonfla son plumage et commença à se pavaner. Chante pour moi, que je puisse entendre la beauté de ton ramage, dont j'ai tant entendu parler. Le renard avait touché le point faible du corbeau. Pour lui montrer sa belle voix, le corbeau ouvrit son bec et laissa tomber son morceau de fromage. Bien sûr, le renard en profita pour l'attraper. Perché sur sa branche, le corbeau était consterné. Oh, ton fromage m'est tombé dans la bouche! C'est vrai que c'est bon! À cause de son arrogance et de sa prétention, le corbeau avait perdu sa nourriture. Eh bien, mon ami, voilà une belle leçon. Tu ne devrais pas te prendre pour plus valeureux que tu n'es. Tu ne devrais pas prêter l'oreille à tout ce qu'on te dit et prétendre partout que tu es le meilleur. On trouve toujours plus malin que soi. Sur ces mots, le renard s'en alla et disparut dans la forêt, laissant le corbeau dépité. À partir de ce jour, le corbeau cessa de se montrer égoïste et arrogant. Il établit de bonnes relations avec les autres animaux et accepta volontiers de partager sa nourriture. Un jour, un rat qui vivait à la ville alla rendre visite à l'un de ses amis. Son ami avait quitté la ville depuis longtemps pour s'installer à la campagne.
Après un long voyage, le rat des villes arriva finalement au village de son ami. Il y a une odeur épouvantable ici. Comment peut-on vivre dans un endroit pareil? Après une marche longue et fatigante, le rat des villes finit par arriver dans le champ de son ami. Le rat des champs s'était fabriqué lui-même une maison sous la terre. C'était là qu'il vivait. Comment mon ami peut-il vivre dans un environnement pareil? Je ne comprends toujours pas. Le rat des villes frappa à la porte. Le rat des champs lui ouvrit et fut à la fois surpris et très heureux de revoir son ami. Bienvenue, mon ami. Qu'est-ce qui t'amène ici, en dehors de la ville? Je commençais à me fatiguer de vivre à la ville. J'ai eu l'idée de venir te voir et de découvrir quel genre de vie tu mènes depuis que tu es ici. Mais je vois que tu n'es vraiment pas heureux. Ça alors, entre, ne reste pas là. Je vais nous préparer quelque chose à manger. Ils entrèrent tous les deux. Le rat des villes fut stupéfait de découvrir l'intérieur de la maison. Le rat des champs vivait dans un petit trou que le rat des villes trouva sombre et étouffant. Alors, comme ta maison est sombre et petite, comment peux-tu vivre dans cet endroit? Le rat des champs servit un repas à son ami. Sur la table, il mit un morceau de fromage, de la salade, une carotte et des grains de maïs. Le dîner est servi. Sers-toi, mon ami, et bon appétit. Le rat des villes regarda ce qui était posé sur la table et dit « Ça alors, tu parles d'un festin? Là où nous vivions, les rats ne s'arrêtaient même pas devant ce genre de nourriture. Nous avions des pains, des pâtisseries, tout un tas de fromages et de viande. On peut trouver tout ce qu'on désire quand on habite à la ville. » Quand ils eurent fini leur repas, ils sortirent se promener dans le champ autour de la maison. Le rat des villes n'aimait décidément pas l'endroit où vivait le rat des champs. Cet endroit n'est pas à mon goût. C'est tellement sale et ennuyeux. Il faut que tu viennes chez moi. Je t'emmènerai faire le tour de la ville. Il faut que tu vois ça. Oh, je suis sûr que tu ne reviendras plus ici. Le lendemain matin, les deux amis se dirent au revoir. Peu de temps après, le rat des champs décida de rendre à son tour visite à son ami. Il quitta sa maison et se mit en route. Après un long voyage, il arriva en ville. Le rat des champs se rendit chez son ami en suivant les indications qu'il lui avait données. Le rat des villes habitait dans un appartement. Le rat des champs fut stupéfait de voir où vivait son ami. Cette immense maison est à toi? Pas vraiment. Je la partage avec les propriétaires, bien sûr. Je meurs de faim. Montre-moi ce merveilleux festin dont tu m'avais parlé. Le rat des villes entra dans la cuisine, ouvrit la porte du réfrigérateur et prit du fromage, de la viande et toutes sortes de fruits et de légumes qu'il posa sur la table. Tandis qu'ils commençaient à manger, ils entendirent un chat miauler. Le rat des villes sursauta et dit « Oh non ! Le chat de la maison nous a entendus. Nous devons nous cacher. Viens !» Les deux rats s'enfuirent et allèrent se réfugier dans un trou du mur. Hors d'haleine, le rat des champs demanda « Tu vis dans la même maison qu'un chat? Et tu ne trouves pas ça dangereux ?»« Si, bien sûr. Mais c'est le prix à payer pour vivre dans le confort et être bien nourri et en bonne santé. » Au bout d'un moment, le chat quitta la cuisine et les deux amis purent sortir de leur trou et aller reprendre leur repas. Un instant plus tard, en entendant la porte d'entrée s'ouvrir, le rat des villes fut à nouveau pris de panique. Ah, vite, dépêche-toi, les propriétaires viennent de rentrer. Fuyons avant qu'ils nous voient. Ils retournèrent se cacher tous les deux dans le trou et le rat des champs, essoufflé, demanda à nouveau. Cette fois, pourquoi on s'est enfui? La maîtresse de maison, elle ne sait pas que tu vis ici? Bien sûr que non. Les gens sont très dangereux, tu ne le sais pas. Comment peux-tu vivre avec eux dans cette maison? Bien sûr, il y a quelques inconvénients, mais je suis heureux de la vie que je mène. Tu as vu ici, je mange tout ce que je veux. La voie est libre. Viens, reprenons notre repas. Le rat des champs sortit du trou, mais ne suivit pas son ami. Il se dirigea tout droit vers la porte et expliqua. Non, merci.
J'ai perdu l'appétit. Cette frayeur me suffit amplement. Je m'en vais. Mais où vas-tu ? Je rentre chez moi. Ma maison n'est peut-être pas riche, mais je vis paisiblement et en toute liberté. J'aime mieux me sentir libre et bien tranquille que de vivre constamment dans la peur. Alors le rat des champs rentra chez lui et reprit sa vie modeste mais heureuse. Et il ne retourna plus jamais à la ville. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Il était une fois un petit bœuf qui vivait dans une ferme tout près d'un étang. Ce petit bœuf était très triste parce qu'il était nettement plus petit que tous les autres bœufs de la ferme. Il ne cessait de s'en plaindre. Ce jour-là, il alla se lamenter une fois de plus auprès de son ami le chien. Je suis le plus petit bœuf de la ferme. Je suis sûr que je suis même le plus petit bœuf du monde. Et je ne peux rien faire pour changer cela. Arrête un peu avec cette histoire. Regarde-toi, tu es gros, intelligent, et tu as un beau bœuf. On ne peut pas tous faire la même taille. C'est normal, tu comprends? Oui, mais si on ne peut pas faire la même taille, pourquoi ce n'est pas moi le plus gros? Écoute, je ne suis pas le plus gros chien du monde, moi. Je suis sûr qu'il existe des chiens bien plus gros que moi. Ça m'est égal. Je suis comme ça et je suis content d'être comme je suis. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Dans l'étang qui bordait la ferme de notre pauvre bœuf, vivait une grenouille extrêmement prétentieuse. Cette grenouille adorait se vanter auprès de ses camarades. Elle était de loin la plus grosse de toutes et elle en était très fière. Mais je suis la plus grosse grenouille de cet étang. Et la plus grosse grenouille doit commander. À partir de maintenant, vous devez tous m'appeler votre chef. Aucune règle ne dit que la plus grosse doit commander. Et d'ailleurs, nous n'avons aucun besoin d'un chef. Comment ça? Tout le monde a besoin d'un chef. Regardez le lion, il est le roi de la jungle. Mais le lion n'est pas le plus gros animal de la jungle. L'éléphant est bien plus gros. Déstabilisée, la grenouille prétentieuse réfléchit un instant. Puis elle répondit avec son arrogance habituelle. Nous ne sommes pas dans la jungle et vous n'êtes pas des éléphants. Je suis votre chef. Un point, c'est tout. Les autres grenouilles se concertèrent un moment et décidèrent de donner à cette prétentieuse une bonne leçon. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Un jour, alors qu'elle nageait dans leur étang, les grenouilles virent le bœuf qui broutait tristement au bord de l'eau. C'était la première fois de leur vie qu'elles voyaient un animal aussi gros. Waouh ! Quel animal énorme ! En découvrant l'animal, une des grenouilles eut une idée. Dites, notre grenouille prétentieuse nous a bien dit que le plus gros des animaux devait être le chef. Alors c'est à lui de commander. Et les grenouilles s'approchèrent du bœuf. Elles lui exposèrent la situation et lui demandèrent de l'aide. Mais je ne suis qu'un pauvre petit bœuf. Qu'est-ce que je peux bien faire pour vous? Un petit bœuf? Qui, toi? Toi, tu n'as rien à faire. Nous allons t'amener une de nos camarades qui passe son temps à se vanter. Pour le reste, on s'occupe de tout. D'accord, il faut que je rentre à la ferme, sinon le fermier va s'inquiéter. Le lendemain, les grenouilles allèrent trouver leur prétentieuse camarade. Elles lui racontèrent qu'elles avaient vu un animal géant de l'autre côté de l'étang. Et il aimerait te rencontrer. C'est d'accord, allons rencontrer ce soi-disant animal géant. Les grenouilles traversèrent l'étang jusqu'à l'autre rive. Le bœuf les attendait au bord de l'eau. En découvrant l'animal, la grenouille prétentieuse faillit avaler sa langue de stupéfaction. Mais elle s'efforça de ne rien laisser paraître. Alors c'est toi le fameux géant qui prétend régner sur cet étang? Le bœuf voulut répondre, mais... Une des petites grenouilles s'empressa d'intervenir. C'est toi qui as dit que le plus gros animal devait être le chef? Comme le bœuf est le plus gros de tous, il est normal qu'il commande. Oui, mais je peux être aussi grosse que lui. Ah, et comment? Tandis que les grenouilles discutaient entre elles,
le bœuf se sentait enfin grand et fort. C'était la première fois de sa vie qu'il entendait quelqu'un admirer sa grande taille. Regardez, vous allez voir comment je vais grossir! Et la grenouille commença à se gonfler. Suis-je aussi grosse que le bœuf? La grenouille se gonfla d'air encore un peu plus. Alors, suis-je aussi grosse que le bœuf? Non! La grenouille inspira une fois de plus et enfla encore davantage. Elle n'était même plus capable de parler. Elle ne pouvait que fixer ses camarades en attendant leur confirmation. Toutes les autres grenouilles se mirent à rire. La grenouille continua à se gonfler. Elle enflait et enflait jusqu'à ressembler à un ballon. Le bœuf contemplait la grenouille d'un œil stupéfait. La grenouille était maintenant tellement enflée qu'elle ne ressemblait plus du tout à une grenouille. Gonflée comme un ballon, elle commença à décoller du sol et à s'élever dans les airs. Elle parvenait enfin à la hauteur du bœuf. Mais ce qu'elle voulait, c'était le dépasser. Avec un dernier effort, elle inspira encore un peu pour continuer à s'élever. Et... disparut de la vue du bœuf et des grenouilles. Eh bien, c'était une rude leçon. Les grenouilles étaient toutes un peu tristes de ce qui était arrivé à leurs camarades qui voulaient être plus grosses que toutes les autres. Quant au bœuf, on ne l'entendit plus jamais se plaindre de sa taille. Il décida de s'accepter tel qu'il était et vécut paisiblement dans sa ferme.